Jean Daniel est ermite paysan. Le moine a consacré sa vie à la foi chrétienne en vivant simplement, près de la nature et ouvert aux autres. J'ai compris que sur mon chemin de solitude, cette solitude, elle est pour les autres. Je me suis toujours senti bien en étant disponible et accueillant à toute personne qui se présente, homme, femme, jeune, vieux, et arrêter sur le champ ce que je faisais pour être là, recevoir, écouter. Mais en tout cas, il y a des points communs entre nous. Hein. Mm. Un certain retrait de la vie sociale, et puis s'en foutre du regard social. Pas de la vie sociale, de la vie de consommation. Après ses études au séminaire de Quimper, à l'abbaye de Landévennec et au monastère de la Grande Chartreuse, Jean Daniel est revenu travailler à la ferme de ses parents. Aujourd'hui à la retraite, l'ermite paysan s'est trouvé une nouvelle occupation, l'écriture. J'ai tenu beaucoup de carnets depuis mes 25 ans, mais c'est différent d'écrire pour soi et d'écrire pour être lu. J'ai mis un an à me persuader que j'étais capable de le faire. Et puis, le goût est venu à la longue, quoi, et j'ai appris la musique des mots. Composer un livre, c'est comme composer un tableau, composer une symphonie, une sonate, c'est du même ordre, quoi. À 70 ans, après une vie insignifiante et anonyme, selon les mots de Jean Daniel, ce dernier se raconte. L'autobiographie est parue aux éditions Mini Levenis.